Bonjour à toutes et à tous, c'est Komagoro, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Endless Space 2 et le voilà, il est là, il est arrivé. Alors, avant toute chose, on va voir, est-ce que je peux lancer ou... Ah mais j'ai un problème moi là, il y a quelque chose qui va pas dans ce jeu. Explorer la curiosité indiquée sur la planète, hein. Je suis con ou quoi? Alors déjà, vous voyez que j'arrive pas, j'ai du mal à cibler, mais regardez ça. Puissance d'expédition 4. Il y a quelque chose qui va pas. Alors. Bon, combien de temps il va mettre pour arriver jusqu'à là? À mon avis, longtemps. Donc, j'ai débloqué tout, vous voyez, ça y est, je me mets à produire de l'antimatière ainsi que de l'adamantien. Il n'y a que ça qui me bloque, ça va pas du tout. Je ne comprends pas. C'est pas la première fois que j'ai des petits soucis comme ça en jeu. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ah bah je peux mettre un autre cuirassé. Eh ben nickel. 11 tours. Ça veut dire que voilà, lui, il va réaliser la quête avant moi. Our purpose is to kill. Non, je reste pas en dehors de... Alors, ah, c'est les nouveaux que j'ai récupérés. Très bien. Donc on peut commencer à se friter. Elles sont où mes flottes? Ah oui, je les avais enlevées de son espace. Zut. Elle est là. Comment ça se fait que... Mais de quoi vous... Qu'est-ce que vous me racontez? We are too polite to say what we are thinking. So we will stop at Hello. Mais on est en guerre. Ah, on est en trêve. Oh, oh mais c'est pénible. Mais alors pourquoi eux ils y sont? Ah, ça va pas là. Hein. Pourquoi eux ils y sont puisqu'on est alliés? Je vous ai dit, ça fait deux fois que je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. Et dans ma précédente partie, ça n'était... Ça n'avait pas fait ça. Voilà. Bon, alors, 15 allées à 22, ça fait 7 points. Et lui, il en prend 6. C'est top. 14 891 plus 8475. 22 000 d'attaque. Ça va être le pied. On va tout faire péter avec ça. Le problème, c'est que j'en ai qu'une. Je vais en avoir qu'une. Ah, je suis content, dites. Je peux enfin coloniser d'autres planètes particulières. Bon, à part celle-là, planète de lave, j'ai pas encore la technologie. Mais voilà, regardez, les planètes de Guess. Voilà, vous voyez sur Primus, je viens de lancer la colonisation de la géante gazeuse. Ah, c'est cool. C'est super cool. Bon, dans combien de temps tu arrives, toi? Ah, encore deux tours. Ben, ils sont lents, hein. Et par contre, ben, c'est buggé complet. C'est complètement buggé. Bon, alors j'intervertis les flottes, là. Mais lui, je peux l'attaquer, lui. Oh, en avant. Et là, je suis pas content que celle-là, elle puisse pas rentrer.
Donc, on a steppe et tempéré. Alors, on va faire. On va mettre ça d'abord. Je stack et puis au fur et à mesure je vérifie où j'en suis par rapport à aux données. Alors Elma est bon, donc là je peux toujours rien faire, voilà, complètement bloqué. On va avancer. Voilà, les flottes arrivent. Ici on a le nouveau destroyer. Osulo fait un croiseur. Alors ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je peux pas faire de cuirassé. Il me manque de l'Orichal 6. Et ça vaut trop cher pour acheter ça, si. J'ai 40 000. Allez. Yep. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Voilà, donc nourriture. Bon, j'avais pas forcément une spécialisation de nourriture. C'est pareil, ça aussi. Je vais plutôt déplacer. Hein. On va essayer de mettre un peu plus, voilà. Voilà, donc la dernière planète est colonisée, la fondation du bien-être est faite, super. Voilà, tout le système est colonisé, c'est cool. C'est super cool. Maintenant on est à 100%. Ah ouais, j'ai bossé comme un dingue pour sur Primus. J'ai toutes les anomalies, vous voyez, de néfaste s'est passé à bénéfique. Allez, on va mettre ça. Ah voilà, ça y est, elle est là. Ma flotte de fou dingue. Allez. Donc ici j'ai des projets, ici j'ai des projets. Alors deal, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais mettre à deal? Ici je me pose la question, la planète est froide. Alors, vous voyez, quand on met la loupe sur la planète, elle me dit type de planète, moins 3 d'influence, mais les anomalies, vu que j'ai modifié, puisque les anomalies sont passées en bénéfique, si je transforme en neige, je vais perdre 2 de brume, mais je gagne 1 de nourriture, et si je transforme en steppe, vous voyez, je vais perdre 1 de brume et 5 de science, mais gagner du reste. Donc au final, je ne vais pas le faire. J'ai 136. On va augmenter un peu ça et ça. Ah, il y a les mines d'été. Est-ce que j'ai des gisements de ressources stratégiques? Oui. J'en ai un. Bon.
on peut la mettre. C'est bon, on a des projets de partout, bah, tout roule. Et j'en suis à 12 sur 14, vous imaginez, je peux maintenant en faire 2 de plus. Par contre, voilà, je manque la technologie et ingénierie en écorce. Et la verte absorption gamma. Alors, je vais essayer d'aller chercher cette technologie absorption gamma. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. On va la mettre et en fait, je vais la décaler. Ici. Voilà. Ah, parce qu'en plus, l'effet, il est d'enfer, hein. 7 tours. Bon. Voilà. Ça, c'est bien. C'est des bonnes recherches. Bon, lui, il est en flotte, alors je le mets là-dessus, hein, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, j'ai récupéré un croiseur au Sulo, le voilà. Donc, je l'envoie à Ovaldi. Bon, on va s'en sortir là ou pas? Non mais ça va pas, hein. C'est buggé. Voilà, bah, une quête qui est buggée complet. Puissance d'expédition de curiosité 1, entre parenthèses 4. Alors, ça y est, j'ai enfin récupéré pas mal de projectiles à base d'adamantium. Donc on va aller étudier ça de suite. Et dans 3 tours, j'ai l'exploitation du cadre Nyx qui sera débloqué. Ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eux? Vous avez vu, ils viennent de voir que j'arrivais. J'arrivais. Donc. Et ouais, c'est pas mal ça, dites-moi. Oui, au lieu de celui-là. Regardez. C'est bien meilleur. C'est bien meilleur. C'est dommage parce que ce blindage il est bien, mais je préfère mettre les boucliers moi. Le moteur, l'utilisation de l'antimatière dans le moteur, vous avez vu, hein, je gagne 2 points de déplacement supplémentaires.
Ouh, module de destruction, destructeur de planète. La vache. Hallucinant. Qu'est-ce que c'est ça? Imaginez ce que ça va me coûter. Et là, on passe dans un autre monde. Et encore, vu que j'ai pas le cadre NX, oui, c'est ça, le cadre NX. Parce que sinon, bon, Maxi, c'est parce que gagné. Hein. Impressionnant, vraiment impressionnant. Ouh, je voulais expliquer, hein. Vu que j'augmente mon influence, je viens de mettre sous influence ici, donc c'est à Sabel, regardez. Mais c'est laquelle? Pas mal celle-là. Ah oui, ici, voilà. Waouh. Excellent. Ah ça, c'est géant. Hein. Mais ces flottes, elles sont où, à lui? Elle est pas mal, celle-là. Il n'en a plus de flotte. Hein. Bon, on va écouter, on va faire un truc. Hein. Alors cette quête est à première vue buggée parce que je ne peux rien faire. Hein. Je peux plus. C'est dommage parce que je pense que ça me bloque. Le développement d'autres choses, mais bon. Il faut que j'arrive à la guerre froide et en guerre. On est en guerre. Mais je trouve pas de. Je sais pas où elles sont ces flottes. Ici, si ça clignote, on va voir. Faut que je vous montre quand même. Alors lui fait un blocus là. Oh, dites-moi, j'ai oublié complètement. C'est pénible ça. Hein. Ah oui, faire tout ça en fait. Alors c'est bon. Voilà, donc il n'y a que la dernière que je peux pas parce que j'ai pas assez de Richel 6. Enfin, j'ai pas assez des deux de toute façon. Cadre NX, ouais, excellent. Et en plus j'ai trois héros qui gagnent un niveau.
cool. Bon, j'ai des vidéos un peu longues, mais vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, les amis. Et cette fois-ci, on va la regarder. Ça va être un massacre. Ah, les enflures. Les enflures. Ils ont foutu le camp. Ah, moi qui veux vous montrer ce croiseur. Et regardez cette flotte. Alors, celle-là, elle fait 23. Là, je suis à 32. J'ai deux cuirassés. Ça va être une boucherie. Bon, allez, j'en arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'Endless Space 2. Amusez-vous, jouez beaucoup. Prenez soin de vous. Et portez-vous bien. Et dans la prochaine, on va se faire un combat avec ces cuirassés. Promis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker mes vidéos pour soutenir la chaîne et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Twitter et Facebook dont vous trouverez le lien dans la description. Salut, bye bye.